position dérange les lois du Kama Sutra. Son ventre arrondi a rendu fou les médias. Des rumeurs très indécentes disent que c'est Nicolas. Mais moi je crois ce qui se dit dans le gala. Dis-moi qui s'est tapé Rachida. Dis-moi. Dis-moi. Tout le monde dit c'est pas moi. Mais si ce gosse est là, dis-moi, est-ce qu'il serait pas de toi? Mais disons, je vous dis que c'est pas vrai. Mais disons, je vois même pas qui c'est. Vous êtes mes 10 ans, je l'ai pas vu depuis 15 ans. Mais disons, ça paraît bizarre. Mais si tu me crois pas, hey, je fais un test de paternité. C'est pas vrai, c'est pas moi l'enfant de Rachida qui le fait. Cette nuit-là, j'étais dans les bras de Morphée. En Corée, très loin de la France, tu vois, j'ai ma conscience pour moi. Tout le monde était là. Y'avait la Portazna et Nicolas, devait Jean et Berben. Et même Hortefeux qui passait par là. On ouvrait des bouteilles, on prenait de la coke, pas du coca. Pour cette soirée-là, on a tout mélangé, femme et vodka. Et voilà, c'est une mutinerie marocaine, dans des beaux quartiers du 7ème. Les fesses assises au bon endroit. Elle vous énerve, c'est Rachida.